Et bonjour tout le monde, c'est Rix Project sur Transport Fever 2 pour continuer cette fois la map américaine sur laquelle j'ai un peu travaillé hors enregistrement malgré tout. Notamment un détail que j'avais oublié, le changement de l'aéroport. J'ai pas changé celui-là. Donc j'ai changé la taille de l'aéroport de Boston. Donc j'en ai mis un grand cette fois. J'ai relié Syracuse à Boston par une ligne de... Pas par une ligne, par une route de campagne de plus grande taille également. Je ne pense pas avoir fait un bus. Du coup, je vais faire ça. Alors, on va commencer par ça. Ensuite, on va voir ce qu'on pourrait bien changer. Voyons voir le ground, on va peut-être... Ouais, on va mettre ça comme ça. On va agrandir un peu les passagers. Voilà pourquoi je n'aime pas... Pardon, voilà pourquoi je n'aime pas enregistrer le matin. J'ai toujours... La gorge qui me dit zut, zut, flûte, sprout, crotte. Voyons voir. On va prendre ceci. Alors j'aimerais bien. Voilà. Si je la connecte comme ceci. Voilà. Je n'ai pas encore accès à des échangeurs ou ce genre de choses, non, donc... Et ici... Voilà. Comme ceci. Alors bien sûr, on va rendre privé. C'est par où déjà? C'est par ici. Voilà. On rend privé ceci. Les trains en très mauvaise condition, je sais. Pas besoin de me le dire. Donc là, on a Lincoln Street. On va rajouter un arrêt ici. Voilà. Et on va ensuite faire donc un Greyhound jusqu'ici, mais je crois qu'il faudrait un arrêt de plus. Est-ce que je peux mettre, est-ce que je peux rajouter en plus? Oui, bien sûr. Voilà, on va donc créer une nouvelle ligne. Hop. Entre ici et ici, et c'est parfait. Donc c'est ça le Greyhound, c'est Boston Syracuse, et on va mettre, on va en mettre deux pour commencer. On va changer les couleurs. Voilà, ce serait la couleur de la ligne. Ce qui fait que Syracuse en plus va augmenter. Boston, ça va.
Nom d'un chien. Alors, qu'est-ce que j'avais encore changé? Je ne me rappelle plus. En revanche, je me rappelle bien de ce que j'aimerais changer. Les avions sont très peu utilisés. Il y en a qui attendent ici, tiens. C'est étonnant. Wichita Buffalo, tout le monde s'en fout. Ok, Wichita Falls, Atlanta est toujours un peu petite. Bien, bien, bien. Donc on a Dallas Elk Grove encore à connecter. Downey. Milwaukee. D'ailleurs, Milwaukee, je pense que je vais m'y atteler. Séance tenante. Comme ça, ce sera fait. Alors, on va mettre en accéléré x2. Un petit peu. Parce qu'il faut rattraper 58. Donc, on a quand même 8 ans à récupérer. 8 ans, c'est pas rien, mine de rien. C'est pas rien, mine de rien. On va mettre ça comme ça. On va... Ah, bon sang! Rajouter un bâtiment là. Enfin... Un arrêt de bus là, un autre ici. Et un là. Ainsi qu'un ici, voilà. Et donc là, ça va être le bus de Milwaukee. Et on va bien sûr mettre un dépôt de voirie. Mettre ici, on va mettre deux bus. Et maintenant, on s'attaque aux rails. Bien. Alors les rails, là, ça va pas être très compliqué. Non, pas d'électricité. Non, d'un chien. Ah, mais ils sont lourds. Vous voulez des caténaires? Non. J'en voudrais, je vous sonnerai. Voilà. Ah, c'est un serpentant, hein. Bien. On va arriver ici, donc ici. Alors, si je dois... construction impossible. S'il faut que je change 2-3 constructions, ça ne pose pas de soucis. Ok, donc je suis obligé de faire comme ça. Ah, le prix que ça coûte. On s'en bat un peu les reins, on est très bien. Financièrement, ça tient. Je suis même assez étonné. Vu que je n'ai encore rien optimisé. Alors là, on va faire un petit truc. Qui s'appelle comme ça c'est quand même plus joli. Voilà, merci. Voilà.
On crée la ligne. C'est un train. À la distance, c'est pas dégueu. Hein. Là, c'est le Boston Milwaukee. Voilà. On va mettre un train dessus tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, un nouveau train de marchandises, diesel. Est-ce que je mets une Alco PA PB? Ça me semble un... Ah. Ça me semble un peu excessif quand même, un truc qui fait du 180 sur une ligne comme ça. Autant que le rail n'est pas fait pour. Coûte combien l'entretien? 1 122 000. Mais mine de rien, Milwaukee est pas pour... je sais pas trop. Je vais y aller mollo pour commencer. Donc on va être une Mikado. Ouais, on n'a pas trop le choix, hein. Voilà, et on les met en route. Maintenant. Que reste-t-il? Ah oui, voilà, ce qui m'a coûté assez cher. Donc j'ai légèrement refait ici un système. J'ai un système de Ground vu sur en Shreveport et Glendale. Ce pont m'a coûté la peau du cul. Je crois que c'était 49 millions à lui seul. Donc les ponts, c'est clairement pas rentable à tout point de vue. Enfin, ce n'est pas le genre de choses qu'on fait au pifomètre. Donc, on a Evansville qui est connecté. On est d'accord, hein, oui. Voilà, donc ici, tout est connecté. Ici aussi. Il ne reste plus que Downey et Elk Grove, Dallas. Et on va faire ça. On va ainsi avoir toutes les villes qui seront connectées ensemble. Ah, il trace l'avion. Donc toutes les villes, disais-je, seront connectées ensemble. Et c'est ce que je voulais à la base. Car de cette façon, on est un peu plus tranquille. 45 millions. Ça change à peine selon la taille du... Bien. 57 millions. 43 millions. C'est quand même un petit peu mieux. Vendu. Ça. Par ici, on s'en fout. Voilà. Ouais, ici, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc ça va. Voilà. C'est connecté. On va donc devoir faire une ligne ground également par ici. Alors un ground qu'on va faire partir d'ici. Alors je vais être en pause pour travailler ça proprement. Faire arriver là. Donc on va créer la nouvelle ligne, c'est le Greyhound Columbia Downey.
Voilà, ça c'est bon. Alors, le bus de Columbia. On va faire un autre arrêt après Pine Street. Comme ceci. Ouais, c'est parfait. On va déjà mettre 2 sur le Grand Columbia Downey. On va changer la couleur des véhicules. Voilà, ils seront d'un jaune poussin bien dégueulasse. Ici, il ne me faut pas grand chose comme arrêt, donc voilà. On va mettre un dépôt de voirie. On crée la ligne. Downey, c'est pareil au même. On met un bus Schneider à la con, parce que ça coûte pas cher. C'est connecté, donc maintenant on remet en accéléré, pour un petit peu refaire déjà des finances, parce que là ça va coûter cher. On va faire les lignes Elk Grove, Dallas, Atlanta. Et on va voir. J'avais préparé une ligne là, oui, elle est ici. Il faut donc juste 2 gares. Déjà, voyons comment c'est réparti. Les habitations sont là. Ok. Donc il me faut juste une comme ça. J'aurais presque envie de faire un train qui traverse la ville en partie. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Histoire de m'amuser un chouïa. Excusez-moi. Là, décidément, c'est pas la joie le matin. Voilà, on va mettre un comme ceci. Et Dallas, qui est vraiment au fin fond. C'est au fin fond du trou du cul du monde. Excusez ma vulgarité. Oh là là. Bien. Voilà. Et bien sûr, je n'ai pas besoin de ça. Alors, on vient débloquer les Loki de Super Constellation. C'est cool. C'est très cool. Alors, ce qui serait encore plus cool là, c'est... Parfait. C'est que je réussisse à relier les deux lignes sans broncher. Alors, voilà, comme ça c'est bon. Foutu nez qui coule, arrêtez un petit peu de m'enquiquiner, ce serait quand même pas mal. Alors ici. Ici, on va essayer de le faire large. Et surtout, ça va coûter. Les 10 millions. Oula.
Par rapport à ce que j'ai déjà acheté, c'est rien, hein, mais... Voilà, si je le mets comme ceci, ça se goupille. On va... couper ceci pour y mettre ça. Bon bah, on va laisser comme ça alors. On crée la nouvelle ligne. Une, dos, tres, cuatro. Celui qui me chante comme si que c'est après, je le tape. Alors, donc, c'est la ligne Atlanta Elk Grove Dallas. Voilà. On va mettre. On va mettre un train ici. Enfin, on va mettre le dépôt ici. Ceci comme ça. On va mettre en pause juste le temps de changer quelques petites choses parce que comme à boulet, j'aurais dû partir sur des rails haute vélocité directement. Voilà. Vu que c'est quand même un... comment dire? C'est quand même un trajet assez long. Il va me falloir les systèmes de bus. Ici. Et Elk Grove qui n'est pas connecté. Très juste. Donc réparer cet oubli. Voilà. Voilà. Et donc ici on met arrêt de bus, arrêt de bus, arrêt de bus. Arrêt de bus. Rajouter une rue. Créer la ligne. Et donc là, c'est le bus Elk Grove. Bus Dallas, je l'ai pas fait. Ah non. Dallas. On met les dépôts de voirie. On va en mettre. Wow. Voilà, zut. Hein. On va mettre un Schneider. Ah, il y a un bus qui a disparu. On met un Schneider ici. On va mettre un dépôt de voirie ici également. On va le mettre. Bus Potpouille, c'est étoile en douille. Le mettre là, non. Oh puis zut, on va le mettre ici, voilà. La ville est plus grande, on en prend deux. Et on va mettre un train. On va prendre une unité multiple. Ou alors, là, on peut mettre une Alco. Ouais, le trajet est quand même... il est pas spécialement super court. Enfin, voyons, par rapport aux autres. Alors, l'Alco, ce serait... Non, l'Alco, ce serait mieux pour la ligne express.
la vraie ligne express que je veux faire. Donc ici, on va juste mettre un pionnier. Enfin, un zéphyr. Pionnier zéphyr. On l'achète, on le met sur la ligne Atlanta Elk Grove Dallas. On va juste peut-être changer une chose. Déjà, on va changer la couleur. Et ensuite, on va... Que ça le met sur le côté. Voilà, parce que ça m'intéresse. Ouais. Alors, au niveau de la texture, c'est un petit peu foireux, mais. Du coup, l'autre, c'est le minibus Lowell Escondido. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, ici, l'intégralité des villes sont connectées. Elles sont toutes reliées quelque part. Je vérifie. Hein. Downey, c'est fait. Syracuse, c'est fait. Milwaukee, c'est fait. Evansville, oui. Parfait. Oh, c'est génial. Ça, c'est fait. Ça m'a coûté bonbon, mais c'est fait. Maintenant, il y a déjà des gens qui attendent à Dallas, etc. Ça, c'est vraiment cool. Atlanta, du coup, la connexion d'Atlanta, 80%. Wichita Falls, pareil. Bon, excusez-moi un instant. Voilà. Se moucher, ça fait pas de mal non plus. Les navettes d'aérodrome, ok. Les avions, ça prend toujours pas spécialement beaucoup de monde. On va donc maintenant finir On va finir du coup les rails. On va boucler en beauté avec la ligne express que je veux faire depuis tout ce temps. Cependant, le souci c'est qu'on a donc une ligne qui passe ici. Atlanta Seattle via Arvada, ça tourne bien. On fera de l'optimisation juste après. Mais on va déjà commencer donc Shreveport. On va configurer. Je me fiche que plusieurs véhicules sont en mauvaise condition. Commencez pas à me les casser avec ça, c'est pas le moment. Ah! Voilà, on peut diminuer. On diminue comme ça un peu les coûts. C'est pas plus mal. Oh, mais j'ai des finances mais vraiment saines, c'est super.
C'est bien la seule map d'ailleurs où les finances ne posent aucun souci. Bien, et ici, il va falloir que je fasse un léger changement. Train 10 en très mauvaise condition. Je m'en occuperai après. J'ai rien dit. Je ne vais pas changer ça là. Je dois juste, en fait, c'est vrai, je peux continuer. Ah, je continue juste de cette façon. Souci de vitesse ou 300 300. Ah oui, effectivement, si je fais une, si je fais la courbe, c'est là, on continue hein. On va devoir prendre un petit peu plus large par ici. Essayer de le faire le plus plat possible. Je n'aime pas trop si ça commence à faire des vaguelettes comme ça. Donc le truc, c'est qu'il va falloir que je passe ici. C'est ici que ça me pose problème. On va donc devoir trouver... une solution. Elle est jolie peut-être, mais c'est pas ce qu'il y a de plus génial. On continue de suivre jusqu'ici pour l'instant. Voilà, et ici, c'est ici qu'on va devoir commencer voilà, c'est ici qu'on doit commencer voilà comme ça. Alors je vais voir ce que ça donne avec les piliers. Ah, ça va. Ça passe. Voilà, et on continue du coup le pont jusque ici. Puis du pont percuté. Donc... ah, comme ça. Et comme ça, ça passe. Voilà, c'est que dire qu'ici, du coup, on peut reprendre une vitesse plus élevée. Voyons comment on peut goupiller ça. 33 millions, c'est fait, c'est bon, emballé, c'est pesé, j'ai réussi. Je fais vraiment à l'avance là. Il faut que j'améliore en rail à grande vitesse. L'électricité, ce sera pour plus tard. Alors ici, je... ici c'est une traversée double. Même si c'est méga moche. Donc en fait... non. Va te faire voir. Comme ça c'est mieux? Oui c'est mieux. Et comme ça également, c'est plus propre.
On va du coup créer cette nouvelle ligne avec émotion. Parce que, oh la vache, la distance. J'en mets qu'un, hein. Si c'est ça, il n'y a pas photo, ce sera une ligne pour TGV. Mais alors, j'ai juste un souci, c'est que ces abrutis-là, pourquoi ils me mettent là, Atlanta Nord? Attendez un peu. Oh non, d'un chien, c'est parce qu'il y en a déjà un dessus. C'est le quai numéro combien? Le 5. Effectivement, il y en a déjà un dessus. Donc il va falloir... Bon, je chipoterai plus tard, ça. Et on a un nouveau véhicule disponible, Tonto PCC, enfin PCC A7. Voilà, la ligne 1, on la renomme. Ça, c'est l'Express Atlanta Shreveport. Oups. Et on va tout de suite inaugurer. Et cette fois, on va se faire plaisir. Si les finances se permettent, mais elles le permettent. Alors, 2 millions aidés, elle a une grosse traction. Ça qui est bien. Et on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 wagons. Alors, l'entretien à l'année est de combien? Il me coûte 26 millions. On est fou. On est fou. On est fou. Mais on s'en fout. Car ça y est, voilà, ligne express. Bon, la sortie est très moche, mais je m'en fous. Oh. Voilà, et il va tracer assez facilement, je pense. Bien, on va faire le trajet avec lui, juste pour voir, tiens. Déjà, on se prend des panneaux, des pylônes, là. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Mais c'est marrant qu'il échange de côté par moment. Ouf, là. Voilà, il passe au-dessus de la ligne. Il est à 120, 126. Il faut le temps que ça monte, hein, par contre, en diesel, mais... 140, 143... Je vais mettre dans le tunnel parce que sinon... De toute façon 180 max, donc ça va, c'est... C'est pas dégueulasse. Oh la vache. Il a atteint 180 alors qu'il est qu'à mi-parcours. C'est ça? Voilà, vitesse max. Ah, les petites bosses, etc. C'est un peu gênant, mais je chipoterai pas trop là-dessus. Oups. Il va prendre la montagne.
en a quand même déjà 6 dedans. Mais... qu'est-ce que ce machin a à m'emmerder? J'appuie sur une touche sans le vouloir. Mais... à l'heure, ce bidule, quoi. C'est... bonne grosse motrice, 114 places passagers, donc ça, c'est plutôt bien. Bon, et maintenant que ça, c'est fait... alors maintenant que ça c'est fait, déjà, il y avait une touche qui était un peu bloquée de nouveau. Alors l'express Atlanta Shreveport, il faut le temps que ça se mette en place, et surtout que ça intéresse les gens, je pense. Donc comme ça là c'est bon, les finances tournent à plein régime, tout est connecté, la dernière connexion que j'aimerais avoir en fait, c'est un peu idiot, j'aurais aimé avoir un train qui puisse s'arrêter ici, et j'aurais aimé que ce soit celui-là. Ce sera peut-être pour plus tard, ce qui fait qu'en fait on aurait un TGV qui s'arrête ici juste devant l'aéroport, mais je vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Les avions ça commence, là il y a beaucoup. Bon, on va mettre un peu en vitesse normale. Ah, on a débloqué des nouveautés. Bien, bien, bien. Très bien. Alors voyons les lignes. Les bateaux ça rapporte. Les avions ça rapporte. Pas des masses sur les passagers, mais ça va avancer, je suppose. Les Greyhounds. Non, ce sont les tramways, mais pourquoi le Greyhound Wichita Atlanta Ah oui, je vois pourquoi. Le tramway de Wichita, il a l'air d'être un peu moisi. Du coup, voyons un peu. Le tramway de Wichita, on va le changer. On va être en pause pour faire ça. On va vendre ces deux-là. On va dépioter le tramway. On va remettre les rues normales. Et on va à la place y mettre un système de bus parce que ça coûte moins cher. Quel est le problème? Toutes les stations n'ont pas pu être connectées. Bah bien sûr que si, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Alors on commence sur Green Street. On continue sur College Street. Voilà, bah si tu peux connecter. Qu'est-ce qui m'emmerde le machin? Ce sont des garde-bus maintenant. Voilà tout. Bien. Et donc, le bus Wichita, il est là. On
va. Une seconde, le toutou. Je vais devoir lui ouvrir. Voilà, petit à faux, dépôt de voirie. On va prendre un Schneider. Voilà. Voilà, excusez-moi un instant. Et voilà, parce que sinon le toutou allait être un petit peu embêtant. Voilà, du coup on a un arrêt de bus à Wichita, ce sera plus intéressant que le tramway, surtout au niveau financier. Donc tramway, il y a juste le Greyhound Wichita Atlanta qui est à la ramasse. Et en fait, je me demande si vraiment il sert encore à quelque chose. Celui-là, on est... Alors, celui-ci... Et on va les remplacer par des Twin Coach. On verra si ça est intéressant ou pas. Alors au sol, le bus de Arvada, c'est toujours les mêmes tout pourris. On les remplace. Bus Buffalo, bus Dallas, bus Jacksonville, bus Glendale. Glendale, ils ont toujours les vieux bus. On remplace aussi. Alors, bus Wichita. Sinon, ça va. Et les trains. Alors, le Wichita Buffalo est en déficit. Le Wichita Plano, je dois la remplacer. Les omnibus. Bon, l'express, il rapporte rien pour l'instant. Il coûte même très cher. C'est épongé, heureusement. Hein. J'ai largement tout épongé. Train 22, c'est le Cereal Fronton. Pourquoi je disais toujours Fronton? Je me suis peut-être gouré en réécrivant le nom. Alors, l'Atlanta Seattle via Arvada. Bien. Alors. Maintenant, on va essayer d'optimiser. On va commencer par réfléchir à... Navette Tramia. Ce sont ceux-là? Y'en a qu'un? Alors, si je devais le remplacer... Je le remplace, je vais voir à quoi il ressemble du coup, il est où? Ça devient chicos. Sympa. Oh, avec le vieux système de poulies derrière. Alors ça fait pas une heure que je suis en bas. Je vérifie. Ah non. Donc Atlanta a un peu de bouchon de temps d'attente à cause de ça. On va le dupliquer. On va aller voir. Dans la navette aérodrome d'Atlanta, tout le monde s'en fout, on dirait. Enfin, sauf là-bas, en fait. Là-bas, ça tourne. Navette Tramgar.
On va garder cela pour l'instant sur cette ligne. On va essayer d'optimiser, d'augmenter la taille de nos villes principales. Déjà de Wichita. 194 briques, pardon. Donc on va voir ça. On est en 55, donc c'est bien, on a presque rattrapé la map asiatique. Voilà, continuer à le mettre en accéléré quand même pour avoir ça. Donc les briques, on peut en amener 155, tandis que les pierres, ça fait du 179. On va changer les camions. Déjà ici. Ces deux-là, on les vend. On va être en vitesse normale juste pour ça. On sélectionne tout, on va remplacer. On est bien d'accord, ce sont des comme ceci. 40 km/h, 6. Oh la vache! L'homme! Allez! Ça, c'est fait! On passe à 357. Ça me va! Ça me va! Et donc là, on peut transporter des briques. On passe à 404, c'est un peu trop. On va le mettre là. 359, ça va. Ce qui fait qu'ici, ça va être à 100%, même plus. Alors, on va du coup regarder pour les consommations. Je peux en prendre 124. Mais j'en ai pas 124 qui arrivent. J'en ai que 46. On va donc modifier le train. Alors en diesel, qu'est-ce que j'ai? J'ai la Alco qui fait 60 à l'heure. En vapeur, je peux faire la Mikado. La Mikado. Voilà, comme ceci, ça me va pour l'instant. Et ça fait 65 de moyenne, c'est vraiment trop peu. C'est beau, c'est trop peu. C'est trop peu, je suis désolé. Bon, 93, c'est mieux. Mais je vais devoir d'abord m'occuper... Ouais, Wichita Plano, on va le changer. On va changer le Wichita Plano, on va s'en charger. Parce que là, ça devient... Oh, encore que non, ça va. Bon, par contre, ce qui est cool, c'est qu'effectivement... Bon, l'express, il me coûte la peau du cul. Pas qu'un chat, un chat. Allez. L'express Lowell est moins pris, j'ai l'impression. Ouais. L'express Lowell est moins pris. Ce qui fait qu'à la limite, je devrais en fait combiner les deux. Je verrai ça plus tard. Je ferai peut-être une combinaison, ce qui fait qu'on aurait une ligne express, mais qui passe comme ça. Ce serait peut-être mieux. On verra. Pourquoi je vais du côté de Jacksonville, moi? Alors ici, ouais, il n'y a pas grand-chose. À Atlanta, il y a du monde qui passe. Oh, ça va. Bon. J'en étais au bien... Alors... L'acier plano... 80, c'est trop peu. Donc, plastique, 59. C'est trop peu. Pétrole raffiné, 74. Il faut que je puisse faire monter ça à... On va dire à 200.
avec des alcools déjà. 251. C'est mieux. C'est mieux. D'autant que j'ai qu'un seul puits de pétrole. Ah oui, c'est vrai. J'ai tendance à oublier ce détail. J'ai qu'un seul pétrole là. Il m'en faudrait deux pour alimenter. Et le second, il y en a deux ici. C'est un peu loin quand même. Hein. Bien donc, nous sommes à 251 le pétrole raffiné. On va donc modifier également. On est aux 60 minutes. Voilà, 251, là c'est 212. C'est peut-être un petit peu excessif ça. En 70, donc ici on peut l'augmenter. Donc, je suis passé à presque 400 en fait là. 352, c'est bon. On est à 170, donc le plastique plano, on peut le monter. On peut l'améliorer. Là, on va le garder ouvert comme ça. On est à 102. On est à 102, 127, c'est encore un peu light, voilà, là 153, c'est bon. Maintenant on doit faire l'acier, 80, il faut que j'atteigne les 160, ce serait bien. C'est bien. C'est bon. Cependant, il faut que je vois si... oh l'horreur. Charbon et fer, ça ne tiendra pas. Parce qu'il m'en faut beaucoup plus. Voilà. Alors le charbon plano, c'est lequel le plus long? Le fer, c'est le plus long. Le charbon, c'est le... C'est un court. Donc le fer et le charbon, il va me falloir... Il va me falloir, bah... moderniser l'auto. Alors, il me faut des wagons tombeaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, ça coûte cher, mais ça devrait aller. 270, trop peu. On va le mettre un peu en accéléré quand même. Donc ces deux-là, on va encore leur ajouter... Non, ici toi. Chacun un wagon. 315, bien. Le charbon. Juste en changeant la loco. Je passe à combien? Toujours à 211? Ok. Ça passe.
Voilà, et donc, on en arrive à 175 de plastique, 183 d'acier, 129 en consommation. Donc la consommation, je peux encore l'augmenter. Voilà. Et comme quoi, c'est pas si simple que ça, hein? Fou! Ah, l'express, ça commence tout doucement. Ici, les avions de transport, est-ce que je peux les remplacer par un de marchandises plus intéressant? Il y a le Douglas Skytrain. Je vais essayer comme ça en attendant. Alors, Wichita Falls est gavé en briques, ça c'est sûr, mais il me faut les biens de consommation. Bien de consommation. Consommation Wichita. 99. C'est nul. C'est nul, 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 nul. Donc, on va mettre les Studebaker. On passe à 115. 191. C'est bon. Et là, 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 ça va douiller. Ça, il faut pas charrier. Et les avions repartent relativement à plein, régulièrement, c'est bien. Le temps d'attente de la navette du tram est toujours élevé. Et le Wichita Plano, on va le moderniser. C'est ainsi qu'on finira du coup la vidéo. Parce que effectivement il y a du monde qui attend. Et on va remplacer ce train et on va passer à l'air électrique. Elle peut faire du 140, ah oui. La New Haven EP5 était une locomotive électrique construite par General Electric. À l'origine, elle fut principalement employée sur la ligne reliant New York à New Haven. C'est con qu'il n'y ait pas New York parce que New Haven, je l'ai. On va prendre ça. Voilà, on remplace, mais on va également remplacer les rails. Car je veux qu'elles puissent aller au maximum. On va regarder deux petits détails. Alors, primo, la limite de vitesse. Bon, elle sera un peu ralentie de ces côtés-ci. C'est pas très grave. Voilà, elle garde sa vitesse de pointe assez facilement. Alors, ce qui m'intéressait aussi, c'était ceci. La distribution est bonne. Je vais pas dire parfaite, parce que ce n'est jamais parfait. Le filtre des stations, le temps d'attente, ok. Trafic routier, ici, c'est un peu le bazar, et je crois savoir pourquoi. Et au niveau du bruit, mais c'est parfait. Les aérodromes sont là, le bruit, ça passe. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, voilà. Et on va en mettre un accéléré, on va essayer de gagner les 2 années qui manquent. Allez. On le fait? Oui, on le fait. Et on va profiter. Oh la vache. Ah, la gare, elle commence à avoir de la gueule, hein. Bon, c'est un peu con parce que c'est vide de ce côté-ci, mais. Il part à plein. Et on va voir. Alors ça par contre, ça, 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 ça.
C'était où? C'est idiot, mais juste pour un détail comme ça, moi, ça va me plomber. Bah déjà ça, j'en ai besoin. Voilà. Joseph. Voilà, ici. Il doit ralentir et puis il peut réaccélérer pour arriver à Plano. Et il va repartir à plein, bien sûr. Ça, je sais ce que c'est le problème alors. J'ai une petite idée de ce que c'est. Donc en fait, on va devoir d'abord changer 2-3 détails. C'est bon. Là, je crois que c'est bon. Voilà. Faut mettre des feux, sinon ça n'ira pas. Bien, 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 bien. Wichita Falls, alors les briques ça arrive à 100%, les biens de consommation c'est pas encore ça. Là, c'est la nourriture qui arrive pour Atlanta. Ça va, Atlanta est quand même bien... Alors, il y a peut-être une chose à faire. Je devrais faire ça sur la map de la Belgique également. Voilà, c'est bien ce qui me semble. Ça devrait aider quand même un petit peu. Pas besoin de le mettre partout en fait. Ah, ici ça m'énerve. Hein. Ah ça, moi je suis pas d'accord. On met en pause. Voilà. Si vous voulez absolument avoir une rue. Passe par là. Voilà, vous la faites comme ça, vous me faites pas chier. C'est idiot, hein, mais ce genre de truc, moi ça me titille. Du coup, des entreprises qui grandissent, là, ça c'est bien. Wichita Plano, c'est quasiment vide. Navette aérodrome, ça a pas l'air génial. Il va probablement falloir améliorer. Alors Boston, Milwaukee, il y en a pas mal qui le prennent. Sur 40. Ouais, bon, les avions, ça a l'air de passer. Alors, le tram Boston.
Les trams de Boston, on va les remplacer aussi. Par ceci. Boston qui a bien grandi. Faire l'OL, etc. On s'en fout, j'améliorerai ça plus tard. Là, ce que je regarde surtout, c'est... au niveau des ratios... 3, je me fais, mais... je me fais de l'argent très facilement. Toutes les lignes sont utilisées. Pas au même niveau, mais elles sont toutes utilisées. Donc ça, c'est cool. Alors, 110, 107... Il y a un truc qui coince. Donc, bien de consommation, je peux en faire 171. Alors, les briques Wichita, je vais un peu diminuer parce que sinon c'est ridicule. Consommation 180, ok. Consommation, je peux en amener 163. Plastique 171, acier 187. Pétrole 388, pétrole raffiné 177, c'est bon. Je suppose qu'il faut juste le temps que ça se stabilise, que ça se goupille. Train 36, c'est lequel? Planche Escondido. C'est vrai que je vais devoir aussi changer ça. Mais... voyons voir. Mettre avec des voies à grande vitesse. Comme ça, de cette façon, ce sera mieux. Et ici, on est toujours avec des vapeurs. Il faudrait peut-être que je pense à les changer. Vraiment à changer ça, mais on va s'arrêter là. Je vais juste regarder quels trains sont en déficit. L'acier Shreveport, ok, donc ça je devrais les optimiser. L'express Atlanta Shreveport, c'est toujours un peu voilà, faut attendre, ça va, le déficit est pas énorme. Glendale Visalia, c'est léger. Nourriture Atlanta, ok. Nourriture Thornton, ok. Mm-hmm. Les trams, ça va. Je n'ai pas de gros déficit. Voilà, et on est en 57, en juillet 57, c'est pas très grave. Je fais une dernière fois la vérif. Ça monte. Okay. Donc Atlanta sera la prochaine à devoir être optimisée. Voilà. Et on a une map entièrement connectée. C'était pas parfait, je dois encore améliorer tout. Je dois commencer aussi à... réfléchir à comment je peux augmenter la taille de certaines autres villes. Et un, deux, trois autres détails. J'aimerais vraiment avoir un train qui arrive ici, en fait. Même un train de marchandises aussi, pour faire un transport ou quoi, ça pourrait être sympa. Un petit train de marchandises de là jusqu'ici. Même si par camion, je trouve que c'est amplement suffisant. Mais voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que l'épisode vous aura plu.
Je vous dis à la prochaine. Ciao.